Salut tout le monde! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cassandra Bouchard. Yo, ça se dit pouf, pouf, pouf! Oh no, ça commence bien. Ça va être sale, ouais. Pour le vidéo YouTube de Cassandra Bouchard. Santé. Santé. Je t'aime. Pourquoi je dis je t'aime? Merci. Ben, tu m'aimes-tu? Oui. Aujourd'hui, la gang planning excitant. Cède, première des choses, est sur ma chaîne YouTube, c'est excitant. On va dire les vraies choses. Deuxième des choses, vous étiez plusieurs à me dire, Cassandra, tu parles souvent de tatou, mais ton chum a beaucoup de tatou, puis jamais tu nous en parles. On ne sait pas la signification. Des beaux tasses, check. Un fuck you style avec une belle bague que tu m'as acheté. Merci, mon amour. Ah, ça me fait plaisir. Avant qu'on se sépare. Ah, oh, my love. Ben, je l'ai gardé tout le long. T'as le jeu. T'as le jeu. J'avais de la peine. Fait que, comment qu'on va procéder? Je vous ai demandé de nous poser des questions, en fait, sur nos tatous. Fait que ça va être assez simple. On va répondre à vos questions. Puis, on va avoir du plaisir. Le plaisir est important. T'es-tu prêt? Le plaisir est important. By the way, j'ai une surprise. Première question, c'est quoi ton premier tatou et à quel âge tu t'es fait tatouer? T'es la première en fait, c'est tatoué entre nous deux. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ok, moi je me suis tatouée, mon premier tatou, j'avais 17 ans. C'était un méga fail. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, mais c'était un tatoueur pas très. Ah ouais, le touchy. Professionnel, le touchy, ouais, exact. D'ailleurs, on le remercie pour le tatou! Ouais, fait que je l'ai fait cover-up par ce merveilleux tatou de fleurons. Wow! C'est qui qui a fait ça déjà? Hilary Jane. Ouais, elle est vraiment bonne. Vraiment bonne. J'aimerais bien s'en avoir un autre d'elle. Ça coche, Larry. Vraiment très très sacoche. Moi, mon premier tatou, c'est ma banane que j'ai sur la main. C'est vrai! C'est une soirée où on était vraiment sur la brosse au Nicaragua. On était en voyage, j'étais présente. Ouais, on était au Nicaragua, pis tu sais, au Nicaragua, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était partis. Fait qu'à ce moment-là, on dirait que t'oublies que t'as une autre vie, tu sais. T'es trop dans le mood du voyage. Ouais. Fait qu'on était bien sur la brosse, pis une année, j'ai dit à Cal, c'est pour vrai, j'ai toujours rêvé d'avoir une banane sur moi. Mais j'avais peut-être pas prévu de la mettre sur la main. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tu sais, la petite courbe là, je vais te crisser. C'est la même. Ça a pris tout son sens. C'est la même forme qu'une banane. Fait que j'ai regardé le gars dans les yeux bien chaud, j'ai dit, je veux une banane sur la main. Ah, c'est tellement con. Fait que c'est bon. Pour ceux qui savent pas, c'est la banane de Andy Warhol, qui est un artiste peintre. Je peux pas te dire quelle année. C'est parce que ça aime vraiment les singes. Et qui dit singe dit banane, évidemment. Donc voilà. Ah, c'est un ça. Plus un égal banane. Ah ouais, ouais, bref, le lendemain matin, quand je me suis levé, bref, tu sais, je suis en fait taillé. Ouais, il m'a dit taillé. Fait que taillé, ce que je voulais dire. Alors, le lendemain matin, en fait, c'est là. Quand que le premier tatou que tu te fais faire, pour ceux qui en ont pas, c'est tout le temps percutant le lendemain matin. Tu fais comme. What the fuck? Mais surtout quand tu le laisses à la main. Ouais, exactement. Mais le premier, surtout le premier, il est vraiment comme. Mais moi, le lendemain matin, tu te lèves dans un, c'est que genre, hé, t'as vraiment. Là, j'ai réalisé que j'avais vraiment une banane à vie. Moi, j'ai fait celle-là, mon colibri. Mmh. En même temps que. J'ai mangé le cul au colibri. Fait que pendant que lui, il s'est fait sa banane, moi, je me suis fait mon colibri, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Je laisse le plugger comme mais ça. Mais quel beau souvenir. Ah, mais quel... on a plein de beaux souvenirs ensemble. Mmh. Le tatou qui t'a fait le plus mal. Je pense que c'est mon pouce. Et quand on peut voir ici, il y a une petite érection. Ouais. Ouais. Il y a une petite bite. Il y a une petite érection. mais ouais, ici là, ça fait vraiment mal. En fait, sur les os des doigts là, c'est vraiment terrible. Mais est-ce que c'est pas long? Ouais, c'est ça. C'est une douleur terrible, mais qui est assez qui est short. Très bref. Un peu comme une femme qui accouche. Ah, ben oui, ta gueule! Puis une niaise hostie! Ben moi, mon tatou qui m'a fait le mal, c'est sans aucun doute mon piece de dos. Ah ouais! Parce qu'il a tellement été long à faire. Je suis traumatisée en fait, je vais plus jamais faire tatouer le dos, ça m'a vraiment marqué. Mais bref, pour son dos, là, ça a crissement fait mal. Moi, je parlais. Ah oui, t'étais là, hein? Moi, je suis arrivé. En fait, ben oui! Ça a crissement fait mal! Tu viens juste à y penser. T'es arrivé à la fin de mon tatou? Ben oui, c'est tout! T'es en larmes! T'arrêtais pas de pleurer! Oui, c'est la face toute rouge. Ah ouais, c'est quand même. Ça allait pas. J'ai beau mon dire que toute douleur se tolère. Comme toi, ton pouce, ça a duré 2 secondes. Moi, mon dos, ça a duré genre 6 heures. Après 6 heures, ton corps est plus capable. Bon, ce que je vais te montrer après, lui, mais lui, il a duré 9 heures. T'en veux pas plus tard. Ton tatou le plus impulsif. On dirait que j'aurais dit ma banane aussi, mais. Ouais, c'est vrai qu'elle était quand même impulsive. Mais sinon, ben plus impulsif. Ben, un des plus impulsifs, mais qui est un de mes préférés. Mm-hmm.
Mais impulsif ne veut pas dire regret non plus, là. Ça veut juste dire que tu as pas réfléchi, t'as fait comment, ok, let's go, je le filme. J'ai de l'argent, enfin! Mon père t'a joué! C'est vrai que ça peut un peu dire ça! Non, non, non! Mais bon, c'est, il est très basic, là. Tu vois, ça a marché. Fait, bref, c'est un visage féminin avec marqué The Best. C'est pour moi. Ça me représente moi, en fait. Non, en fait, ça représente ma mère. Ma mère, elle s'appelle Francine Lemieux. J'ai toujours pensé que c'était pour moi. Lemieux, The Best. The best mother, tu sais, là, c'est le link qui est là, c'est vrai que c'est une bonne mère. Ouais, elle est écœurante. Je feel. Moi, mon tatou le plus impulsif, ben, je pense que je dirais que c'est mes petits tatous ici. Puis c'est eux qui veulent. En fait, ils veulent rien dire, honnêtement. C'est vraiment. Je trouvais ça beau, j'avais envie d'avoir quelque chose de délicat, comme un espèce de petit bijou, genre. Fait que j'ai fait ça avec ma chum. Mais je les aime full, je regrette pas du tout. Mais non, c'est quand même impulsif. Ils sont beaux. Je les aime. Comme ben, j'en ai des deux bords. Mais j'aime vraiment ça. Tu sais, c'est fuck all, c'est beau. C'est comme des taches. C'est fuck all, mais ça look. C'est ça, tu j'aurais comme des, une saleté sur le plancher de même, je vais le garder. Ah, ben oui, parce que ça look. T'es tellement con. Pourquoi t'arrêtes pas? Avez-vous un tatou relié à quelqu'un ou fait avec quelqu'un? Genre un matching tatou, quelque chose de même. Ben là, si. Non. Oui! Oui, parce que. Je me suis fait faire haramber. Fait que moi, je considère les primates. Ben en fait, je le considère comme une personne importante dans ma vie, haramber. Ceux qui savent pas, c'est un gorille qui s'est fait tuer dans un parc, dans un zoo, parce qu'il y a un enfant qui a pas respecté les règlements pis qui est rentré dans sa cage. Pis pour être sûr. C'est à quel point qu'il aime les singes? En l'honneur d'Arambe. En l'honneur d'Arambe, je me suis fait tatouer pis comme qu'on peut voir, il y a un petit sourire pis un tam-tam. Ok, attends, mais toi, la question, as-tu un tatou relié à quelqu'un? Tu considères que ton tatou relié à Rambé, c'est ça, ça le fait, genre. Ben, Chris. Ah, t'es cute! Ok, ben moi, je tiens à dire que j'ai un matching tatou avec ma meilleure amie de Québec, que d'ailleurs, ça fait un peu que j'ai pas vu Sabrina Wonderlove. Tu m'écoutes-tu? Parce que je regardais mes tatous. Ok, ok. Mais un peu quétaine, je dois l'avouer, c'est pas mon tatou que j'aime le plus, c'est mon tatou sur la cheville, là. On dirait qu'on l'oublie, hein. Mais j'ai un tatou sur la cheville, puis on l'oublie pour vrai, puis on fait mal l'oublier. Il est pas tant cute, j'ai testé ça un soir, j'avais fumé un joint pis ça, on trouvait que c'était wow. Dans le fond, c'est peut-être mon tatou le plus impulsif. Il est pas très beau en fait. Ouais, faut dire les vraies choses. En fait, c'est super laid. C'est quoi ton tatou le plus significatif pour toi? C'est mon cougar sache-fille. Ok. En fait, j'ai fait un voyage éco-humanitaire de 2 mois en Bolivie. Je me suis occupé d'un cougar et des primates là-bas. Puis je me suis vraiment attaché à cet animal-là. T'sais, c'est comme un genre de. Oui, parce que visiblement, ça s'attache soit aux animaux, soit aux bananes. Ouais, c'est ça. Moi, je tripe, c'est les bananes puis c'est les chats. Qu'est-ce que tu comprends pas? Ouais, non, mais Chris, c'est un gros souvenir. Là, parce que, tu sais, un félin genre de 180 livres, là, ben, pour vrai. Ça réfléchit pas comme un félin de 9 livres, c'est vraiment plus intelligent. Fait que, bref, j'ai créé des grosses liaisons avec Roy. Rest in peace. Pour votre intérêt général, le cougar, ça vit entre 14 et 17 ans. Ah, ben quand même. Ouais. Tatou le plus significatif. Moi, c'est crissement long, expliquer. Ben oui, sacrement, à l'aide. Je dirais mon tatou dans mon haut dos, en fait, c'est pour représenter ma grand-mère, qui a été une personne très significative dans ma vie. Fait que, ben je l'aime. Pour cette raison. Et sinon, aussi banal que ça peut avoir l'air, le 6 ici, en fait, ça représente la date de fête à ma mère et à mon père. Fait que je trouve ça fun d'avoir comme un tatou qui combine les deux. J'aurais jamais cru trouver un tatou qui allait pouvoir les combiner ensemble. Fait que je trouve ça vraiment fun. Ouais, ils sont durs à matcher en esti. Ils sont durs à matcher. Ils sont. Deux esti de malade. Oui. Ben non, c'est pas vrai, Diane. Mais non. C'est une joke. On dit juste, c'est pas vrai, Diane. Pas vrai, Diane, ouais, c'est ça. C'est lequel ton tatou qui te fait le plus rire? Mon tatou qui me fait plus rire, là, t'as peur. Chaque fois, je me vois, si je peux arrêter, plus capable d'arrêter. Je pense que c'est mon Sunrise Rock-On. Ouais, c'est rocking, rocking Sunrise. Non, c'est clair. C'est un soleil, dans le fond, qui se réveille. Il fait ça. Genre, c'est un lever de soleil, mais qui fait Rock-On. Mm-hmm. Il est comme prêt à vivre la vie. Ouais. Fait que c'est ça, je l'aime bien, pis je le trouve comique. Alors, c'est clair. Moi, je pense que mon tatou qui me fait le plus rire, c'est mon bas de dos que j'ai jamais terminé. Non, le tatou qui me fait le plus rire, moi, c'est. Ben, en tout cas, de toi, c'est clairement. C'est le même tatou que ta mère. C'est juste trop laid, là. J'avoue que j'ai pensé à le dire, moi aussi. C'est vrai qu'il est pas tant cute. Ok, c'est une bonne question. C'est lequel ton tatou préféré sur moi, et moi, c'est lequel mon tatou préféré sur toi? Mon tatou préféré sur toi? Moi, je pense que c'est ton petit soleil autour du nez pour droit. Imagine! Ah, c'était pas toi!
Je pense que mon tatou préféré, c'est vraiment ton dos. Ah oui? Ouais, ton dos, il est insane. Puis d'ailleurs, j'ai toujours voulu qu'elle continue son tatou, mais ça lui fait trop mal. Elle comme, comme un peu en état. Ouais, mais c'est vrai, t'es ouais, comme en état de choc de la douleur. Vraiment. Je suis comme genre, hey, poussie de. Ouais, clairement, hey, poussie. Ramène-moi là, donne-moi les. Non, mais c'est hey, imagine, moi, je t'imagine avec un dos complet, là, ça serait tellement insane. Là. Faudrait, mais. Mais moi, marquez-le dans les commentaires. Est-ce que ce serait beau si Cassandra Bouchard ferait son dos complet? Ah, oui. Moi, mon tatou préf, j'aime beaucoup ton Charles Bradley. Oh, wow! Il est trop beau! Non, mais j'aime pas le tatoueur. C'est genre un de mes tatoueurs préférés. On peut t'aider? Ouais, c'est David Côté. Ouais. C'est un immense tatoueur. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros que ça. Tu sais, quand il me l'a fait, je fais genre chiii. Mais Charles Bradley, c'est un artiste que j'ai que j'aime, j'adore, que j'aimerais. Que je ferais. Jamais. Francis Cabrel. Je vais lui montrer. J'aime ma chemise, j'aime mes babines. Ah, lui, il est full beau. T'as un harmonica. Mais enfin, tes tatous sont tous beaux, mais là. J'ai un harmonica. J'ai ici, celle-là il est insane là, c'est mon ami Fonzie qui me l'a fait, mais il faut que je fasse, il faut que je le finisse là. Bon, yeah. Tu vas boire en attendant. Il est beau hein? Check, c'est comme une symphonie, tu sais, c'est nice. Beau, là. Je vais faire mettre du rouge ici, tout ça pour faire. Fait que bref, dernière question, Céd, est-ce que t'es prêt? C'est lequel ton tatouage préféré de ton corps? Mon tatouage préféré, mais on dirait que c'est con là, tu sais, c'est le petit doigt. Ben voyons donc. Oui, c'est un petit singe. C'est ton préféré? Oui, regardez. C'est ton singe. Préféré, ben, c'est ton atout préféré, mon amour. C'est un petit singe, moi j'aime fou les singes. Puis c'est bien drôle. Et ça me rappelle des beaux souvenirs. C'est un petit singe, j'aime les singes. Ok, est-ce que tu veux voir mon atout préféré? Sinon. Non, je veux pas le voir. Bon, mon amour, t'es-tu prêt à. Qu'est-ce que je te montre mon préféré de moi? Ouais, tu t'es fait genre tatouer ma face sans me le dire. Mais oui, après, comme bon. Surprise, je me suis fait tatouer ton nom sur mon pipe. Non, mais mon amour. Je me suis fait tatouer une Porsche! Impossible! Impossible! Oui. What the fuck? De quoi tu parles? Oui. De quoi tu parles? Tu t'es fait tatouer une Porsche? Oui! Je me suis fait tatouer une Porsche! Tantôt! Impossible! C'est ça que t'es allé faire! Oui! Ah, t'es drôle, mais drôle! T'es drôle! C'était pour ce que tu m'as dit l'autre jour. Ah, j'ai eu peur. C'est vrai, amour. C'est vrai, amour. T'es mon préféré. Ah, t'es tellement nice. Il est beau, hein? C'est vrai que t'es une poche. En plus, si j'avais une voiture, j'aimerais vraiment m'acheter. Parce que, ben là, est-ce qu'on le dit ou on le dit pas? Non, on peut le dire. Parce que, en fait, Céd, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment. Ça m'a tellement touché, ça m'a. Non, mais c'est parce que, dans le fond, mais c'est parce que Cass a vraiment. Ben, bref, Cass, elle a pas confiance en elle. Du moins, elle a une certaine fragilité. Elle réussit bien à le cacher, mais tu sais, derrière la caméra, vous voyez pas, mais tu sais, Cass, bref, elle s'aime pas, tu sais. Mais Cass, c'est une femme qui est comme. Qui est ravissant, tu sais, on s'entend, là, check ça, t'as pas rapport, là. Fait que j'ai dit, tu sais, c'est plate parce que dans le fond, tu sais, t'es tellement belle, mais tu veux être belle comme une autre femme. Tu sais, dans le sens, t'es comme la Porsche de mes rêves, mais tu veux être comme la Lamborghini. Mais en soi, je veux dire, la Porsche, c'est une des plus belles voitures. La Lamborghini, c'est une des plus belles voitures, mais compare-toi pas à quelqu'un d'autre qui est belle aussi, parce que t'es belle aussi. Je la trouve belle, la Porsche, puis c'est la voiture de mes rêves. Ouais. Bref, c'est ça. Mais je trouvais que c'était un beau reminder pour moi d'arrêter de me comparer, puis que sans écrire sur mon corps, arrête de te comparer, tu sais. Je suis comme, hey, je suis une fucking Porsche, ok? C'est tellement nice. Je suis une fucking Porsche. Fait que c'est mon nouveau tatou. Ouais, mais c'est nice. Content que t'aies ça. Tu sais, en ce moment, j'ai résumé en une minute, là. On en a parlé pendant 2 heures. Ouais, mais c'est juste qu'en ce moment, je suis pas dans ma meilleure passe, disons, niveau confiance en moi. Fait que. Non, mais amour, en vrai, c'est, ça vient me chercher parce que je trouve ça nice comme tatou. Oui, t'es content, ça. Ouais. C'est comment un. Je sais pas, tu trouvais ça cute. Ouais, c'est vraiment nice. Je suis contente que tu l'aimes. Ah, je t'aime. Ah, mon droit! Fait que voilà. C'est pas sûr que tu voulais faire un collège de vidéo chez Tatou aussi. À Marcel depuis une semaine. Ah, c'est tellement longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Faut faire une vidéo de tatou. Je tiens au collège. Depuis le début, je m'en crisse tellement des questions. J'avais juste hâte de te montrer mon nouveau tatou. Ah, c'est ça. Fais ma conclusion, Céd, parce que toi, t'es un expert et youtubeur de beauté. Ok. Si vous avez aimé, si vous avez bah, tu merci! Hey, merci! À la prochaine! C'est bon?
aussi. Ah oui, c'est bon, parfait. Ça. Ok, fait que bye, la gang. Bye. 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 Bye, Seth. We'll be right back.